Donc, on va commencer par Monsieur Charles White. Inch'Allah. Biscoco, comment tu vas? J'espère que tu vas bien là-bas. Donc, concernant Monsieur Charles White, moi, c'est quelqu'un que je soutiens depuis le départ. Voilà. Et je pense qu'il se débrouille très, très bien. Mashallah, il se débrouille très, très bien parce qu'il est en train de faire des choses que nous ne sommes pas habitués de voir. Voilà. Donc, il y a des gens qui apprécient, il y a des gens qui ne vont pas apprécier. Pourquoi? Pourquoi pas? Vous savez, le changement, c'est ce qu'on n'a pas l'habitude de voir ou de faire qui est un changement. Ce n'est pas parce que ce changement-là te convient ou ça ne te convient pas. Toute chose que tu n'as pas l'habitude de voir ou d'entendre ou, bon, une expérience nouvelle est un changement. Aujourd'hui, ils essayent de faire une enquête que, bon, je ne sais pas habituellement si c'est comme ça, mais moi, je pense que c'est une première. Voilà, tout ce qu'ils ont proposé par rapport au décès de ce garçon et tout. C'est une première. À part ça, le fait de vouloir réunir, de trouver une solution à cette histoire de Tamba et de sa femme, ce mariage qui a fait beaucoup de bruit, tout ça, ce sont de bonnes idées. Moi, j'apprécie. Je pense que ce monsieur est en train de faire un travail incroyable. Il a besoin, normalement, de ceux qui veulent le soutenir, comme je l'ai dit, comme d'habitude. Ceux qui veulent le soutenir, le soutiennent. Ceux qui n'ont pas envie de le soutenir, bon, ils ne le soutiennent pas, hein. C'est leur avis, c'est comme ça, c'est la vie qui est comme ça. Le plus important, le plus gros important, le soutien, le meilleur des soutiens, c'est le soutien de ton créateur. Si tu as cela, lui, il va passer par ses créatures pour te faire avancer dans ce que tu es en train de faire. Voilà, c'est pourquoi on passe par lui. Sinon, Allah ne va pas venir lui-même devant toi. Non, il va passer par un être humain, il va passer par un djinn, il va passer par ses créatures pour régler le problème, pour soutenir la personne, pour faire évoluer et pour faire avancer la personne. Voilà. Donc, M. Charles White, en ce moment, ce qu'il est en train de faire, c'est un travail extraordinaire et exceptionnel que moi, j'apprécie. Bon, il y a des petites failles. Pourquoi pas? Ça, c'est normal parce que c'est une première. Je pense que tout ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, c'est vraiment une première. Donc, moi, je le remercie et je le félicite. Nous, les Guinéens, en général, nous aimons les rapports de force. Nous aimons les conflits. Même ce qu'on peut régler à l'amiable, ce qu'on peut régler en discutant tranquillement, il faut qu'on se bagarre, il faut qu'on se batte, il faut qu'il y ait un conflit, il faut qu'il y ait. Qui est des séparations, il faut que ça crie, il faut que ça pleure, il faut que ça tue. On dirait des animaux, tandis que les êtres humains, nous, les êtres humains, normalement, c'est ça notre différence avec les autres animaux. Et je pense que toutes les religions sont unanimes là-dessus. Je vais parler de l'islam, qui a fait en sorte que l'être humain soit différent de l'animal, que l'être humain soit moins barbare. Donc, le fait de trouver un terrain d'entente entre ces deux familles, d'essayer de trouver, je ne vais pas dire que c'est trouvé, d'essayer d'avoir cette démarche que peut-être les religieux auraient pu faire, bon, c'est ce que je pense, hein. Lui, il est en train de faire cela. Et ça fait un poids, c'est historique. Moi, j'apprécie, je ne peux que le souhaiter bon courage et le remercier au passage. Et que Allah le soutienne, qu'Allah le garde, qu'il le protège, qu'Allah l'assiste. Et le côté, tout ce qu'ils sont en train de faire, le côté de l'enquête et tout, il y a des gens qui n'apprécient pas. Il faudrait que les Guinéens comprennent une chose. J'ai l'impression quand certaines personnes parlent de justice, c'est-à-dire, on va dans un endroit, on dit que, ah, c'est Paul ou Pierre ou tel ou tel ou tel qui a tué un tel. On l'attrape, on le tue ou bien on l'attrape. Ça, je ne sais pas, ça, c'est dans d'autres, c'est possible ça. Mais dans les temps que nous vivons et ce que certaines personnes aspirent, démocratie et tout, et tout, et tout, et tout, il faudrait savoir que en France, aux États-Unis, parce que c'est ça les exemples, ce sont ceux-là, qu'on le veuille ou non, auxquels nous nous identifions, auxquels nous voulons ressembler, même si certaines personnes ont le complexe de l'accepter. Il y a des gens qui font de la prison ici, aux États-Unis, un peu partout dans le monde, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Ce ne sont pas eux qui ont tué. Le moment où on se rend compte que ce n'est pas la personne qui a tué, sa vie est déjà foutue, sa vie est déjà gâchée. Donc les enquêtes sont souvent très très longues, que ce soit ici ou ailleurs. Ce que vous voyez souvent dans les films, certes ce sont des films,
souvent inspirés de faits réels que ces gens ont vécu ou que les gens vivent à travers le monde. Donc, la Guinée ne va pas faire exception à cela. Ils vont faire des enquêtes. Vous allez trouver un mort à côté de peut-être à côté de moi, Astafourlah, mais ce n'est pas moi qui l'ai tué. Mais il faut le prouver que ce n'est pas moi. Astafourlah, peut-être c'est moi, mais il faut le prouver que c'est encore moi. C'est comme ça. Tu as un avocat meilleur que l'avocat de l'autre. C'est l'avocat qui transforme le mensonge en vérité et la vérité en mensonge. Mais dans notre pays, on a l'impression que la justice, là, c'est du tic au tac. Non. Toi, tu peux porter plainte contre quelqu'un. Moi, je porte plainte contre quelqu'un. En France, ici, on fait le jugement. Je crois avoir toutes les preuves que c'est moi qui ai raison et je me retrouve dedans. Aux États-Unis, pareil. Mais si ça se passe en Guinée, ça se passe en Guinée aussi. Nous allons voir ça d'une autre manière. Mais si ça se passe en France ou aux États-Unis ou ailleurs, nous allons trouver que ça, c'est normal. Tandis que ça peut se passer n'importe où, n'importe quand. Il faudrait qu'on comprenne cela. Tous ces gens-là, je l'ai déjà dit, ils se sont battus. On n'est pas obligé de calquer notre vie sur leur vie. On prend ce qui nous arrange. Dans la vie, tu prends ce qui t'arrange. Nous voyons la Guinée. Le jour que tu parles d'une personne, quand ça l'arrange, tu es la meilleure au monde. Le jour que ça ne l'arrange pas, tu es la pire des espèces. Donc c'est comme ça la vie. Tu prends ce qui t'arrange, c'est-à-dire ce qui peut t'apporter, tu prends ça. Ce qui ne t'apporte pas, ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Ça ne veut pas dire que c'est bon. Ça veut dire que toi, ça ne t'apporte pas. Ça veut dire que toi, ça ne t'intéresse pas. Ce qui t'intéresse là, tu prends ça, tu passes ta route. C'est très, très simple. Ces gens-là se sont battus, je ne sais pas combien d'années, pour arriver à ces résultats. Nous voulons arriver à leurs résultats à moins de je ne sais même pas combien d'années. Mais peut-être que nous ne sommes pas faits pour être comme eux. C'est ça aussi la différence. Il faut juste essayer d'avoir le juste milieu, d'essayer d'adapter peut-être ce qu'on copie chez les autres à notre situation, à notre société, à notre culture, à notre religion, à notre réalité que nous sommes en train de vivre. Parce que ce n'est pas les mêmes réalités. Ce n'est même pas le même environnement. Ce n'est pas le même environnement. On est juste des êtres humains. Mais il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas en commun. Il y a quelques petites choses que nous avons en commun. Donc, il faudrait qu'on sache cela. Une balle a son acte de naissance. Une balle, elle a son acte de naissance. Vous voyez dans les enquêtes policières, à combien de mètres la balle a été tirée, tant, 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 tant. Tout ça, on le voit dans les films. Ça se passe ici en réalité, ça se passe ici aux États-Unis, en Hollande, en Suisse, en Belgique. Ça se passe de cette manière et c'est très, 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 très long. Pourtant, ils ont tous les moyens pour que ce soit rapide. Mais c'est la justice qui est comme ça. Parce que toi qui réclames justice, toi tu es pressé. Celui qui rend justice, il a beaucoup de dossiers. Il a beaucoup de problèmes. C'est toi qui attends. Lui, il ne t'attend pas. Lui, il est sur sa vie. C'est pourquoi ici, quand tu as un problème avec l'administration, c'est-à-dire, à un moment donné, tu vas regretter. Pourquoi j'ai même porté plainte contre cette personne? Moi-même, il fallait même que je laisse l'affaire là. Mais le Guinéen veut seulement le côté qui est rapide, sans se casser la tête. Il veut que Paul se casse la tête. Quand il a un problème avec Paul, que Paul se casse la tête. Lui, Pierre, là, lui, il ne se casse pas la tête. C'est-à-dire, on ramène toujours tout aux autres. La faute est toujours à l'autre. Tandis que dans la vie, chacun mérite la vie qu'il a. Ça, ce n'est pas un débat. Moi, je vais être malheureuse aujourd'hui. Mashallah, je vais être tout ce qui est mauvais aujourd'hui. Mais demain, le jour que j'aurai mon bonheur, je l'aurai mérité. Je vais avoir tout le bonheur aujourd'hui, mashallah. Demain, le jour que j'aurai le malheur, je l'aurai mérité. Il faut que j'accepte cela. Il faut que j'accepte que la vie, elle est comme ça. Aujourd'hui, c'est bon. Aujourd'hui, c'est pas bon. Aujourd'hui, c'est pas bien. Demain, ça peut être bien. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Oh, je ne suis pas la seule au monde. Ceux aussi, les autres en face, ne sont pas les seuls. Mais à un moment donné, si tu vois que les choses ne se passent pas comme tu veux, soit tu ne te bats pas, tu te trompes d'adversaire, soit tu ne te bats pas avec la bonne arme, soit toi-même tu es injuste. En tout cas, il faut trouver un juste milieu. Un être humain, quand je prends le cas de l'Afrique, l'Afrique ne peut pas avoir, particulièrement la Guinée, toutes ses potentialités et qu'on n'ait même pas de l'eau à boire.
Regardez les inondations aujourd'hui en Guinée, un peu partout. Ça, c'est l'eau à recueillir. Nous, on n'a pas demandé aux Guinéens de créer comment recueillir l'eau et l'économiser, puisque les autres le font ici. Les autres ont fabriqué comment recueillir et économiser. Le Guinéen doit l'acheter et adapter à sa vie. Il ne peut pas faire ça. Quelqu'un va te dire que c'est la faute à la France, c'est la faute au Japon, même quand c'est un chef de quartier qui fait quelque chose, c'est la faute de Macron ou c'est la faute du colon. Tandis que le chef de quartier, il est chef de quartier en Guinée de ses propres frères et sœurs. Tout ça là, c'est une forme de mauvaise foi que nous avons en général. Ça, c'est les Africains en général. Nous voulons nous décharger de nos problèmes. Non, 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 c'est pas moi. Moi, je n'ai pas de problème, c'est l'autre. Oui, il a des problèmes. Ça, les conséquences là se répercutent sur toi. Tu penses que c'est un hasard que tu n'as pas ta part de responsabilité? Je pense que chacun de nous a sa part de responsabilité de ce qui se passe à travers le monde et ce qui se passe en Guinée. Ce que Charles White est en train de faire, c'est exceptionnel, c'est extraordinaire. Eux, ils sont des cobayes aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est la première fois qu'on fait ce genre de choses. Et eux, ils sont les premières personnes à faire ce genre de choses. Ils vont faire des erreurs. Les autres qui vont venir dans quelques années remplacer M. Charles White vont peut-être mieux faire que lui. Mais il a fallu que Charles White fasse ses erreurs pour que celui qui vient après lui puisse faire ce qu'il est en train de faire. Mais là, à ce moment-là, nous n'allons pas parler de Charles White qui a été cobaye, qui a fait l'expérience. Nous allons voir la personne qui s'est inspirée de lui. Nous allons voir la personne qui est venue et trouver que Charles White a déjà un peu lavé et que lui, il est venu rendre propre et puis ça brille. C'est comme ça, c'est la vie qui est comme ça. Donc moi, je ne peux que lui dire merci et bravo et tout et tout. C'est ma main droite, hein, parce que tu as fait de main droite là. Maintenant, nous allons venir à la CEDEAO. Nous allons venir à la CEDEAO et à Fonike Menge. Les gens comme Fonike Menge, ils doivent comprendre une chose. Je pense que cette catégorie de personnes ou ce genre de personnes ou Fonike Menge lui-même, il s'est embourbé dans un cercle vicieux. Vous savez, quand tu te mets dans un genre de milieu, tu te confortes à ce milieu, tu t'adaptes à ce milieu, sortir de là, il se peut qu'on te prenne pour un lâche. Mais on ne peut pas combattre tous les systèmes. On ne peut pas combattre tous les chefs, on ne peut pas combattre tous les présidents. À un moment donné, tu ne vas pas combattre Alpha Condé 2, 3, 4, 5 ans. En tout cas, quelqu'un comme Fonike Menge. Celui qui vient enlever Alpha Condé, tu ne lui laisses même pas un petit temps, pendant ce temps, pour que toi aussi tu t'asseyes pour regarder comment faire. Mais déjà, un truc n'est même pas fini. C'est-à-dire, j'ai commencé une chose. Je n'ai même pas terminé que j'ai échoué. Oui, j'ai échoué. Parce que peut-être quelqu'un attendait quelque chose de moi, je n'ai pas fait ça. Mais peut-être que certaines personnes ont de l'espoir que je réussisse, puisque eux, ils attendent autre chose de moi. Donc, Fonike Menge, il faut que tu comprennes une chose, mon frère. Tu ne représentes pas la Guinée. Tu représentes les gens qui sont dans le même état d'esprit que toi. Et il est temps pour toi d'essayer de voir les choses d'une autre manière. Parce que tu ne peux pas continuer à voir les choses de la même manière. Jusqu'aujourd'hui, un combat ou une lutte, ça progresse. C'est-à-dire, tu as un point A, tu vas à un point B, et au fur et à mesure que tu avances, il y a d'autres problèmes qui vont sortir. Mais si toi, tu stagnes toujours à la même position, au même problème, moi, je te comprends. Je comprends quoi? Moi, je m'attendais, Fonike Menge, qu'il soit quelque part, sans vous mentir. Je m'attendais à cela. Je n'ai jamais parlé avec lui. Son frère est passé ici deux ou trois fois que vous avez vu, ceux qui s'en souviennent. Mais lui, je n'ai jamais parlé avec lui. Je parle avec sa femme de temps en temps. Lui, jamais jusqu'à aujourd'hui. Sinon, il paraît qu'il est en France. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas parlé avec lui. Mais c'est pour vous dire que c'est quelqu'un... Je ne veux pas que plus tard dans l'avenir, il est jeune, qu'il le regrette. Moi, je m'attendais que Fonike Menge soit quelque part. Il y a des gens qui parlent de CNT, de 6, etc. Moi, je ne sais pas si c'est CNT ou peu importe.
Mais je m'attendais quand même qu'il soit quelque part quand même, sans vous mentir. Cela n'a pas été fait. Ce n'est pas parce que cela n'a pas été fait que moi je vais combattre le CNRD. Non. Que lui il va combattre le CNRD. Non. Ils sont encore là. Peut-être que si tu rentres dans ce truc-là, demain ce n'est pas bon pour toi. Peut-être que pour l'instant, tous ceux qui sont avec eux, c'est pour peut-être nettoyer. D'autres personnes vont revenir. Et ces d'autres personnes-là aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure pour Charles White, vont prendre les autres là pour cobayes, les mauvais exemples, éviter leurs erreurs. Donc, tu te mets dans un truc. Dès que tu essayes de sortir de là, on va te traiter de tous les noms d'oiseaux. Ça n'a pas de sens. Chacun suit son parcours. Tu vas te battre avec ton frère ou ta soeur. Vous allez arriver à un certain niveau. Quelque chose va t'aller dans ça. Tu vas dire, ah, moi, franchement, pour l'instant, je préfère patienter. Elle va dire, oh, non, moi, ça ne me convient pas. Peut-être qu'elle va regretter devant. Peut-être que toi, tu vas regretter devant. Mais tout de même, il faut accepter de voir les choses d'une autre manière. On le dit régulièrement. Ah, il ne faut pas que l'histoire se répète. Oui, il ne faut pas que l'histoire se répète, bien entendu. Mais le colonel, c'est une autre personne. Il ne faut pas que le colonel soit comme Dadis. Non, le colonel n'est pas comme Dadis, il n'est pas comme Konaté. Ça, c'est trois personnalités complètement opposées. Trois histoires complètement opposées. Quand on prend les deux autres, le président, les présidents qu'ils ont remplacés ou le président qu'ils ont remplacé, M. Dadis a eu un problème, il a remplacé un mort. Le colonel Mamadi Doumbouya a attrapé le président en question vivant. Il a fait son show que je n'avais pas oublié jusqu'à ma mort. Moi, ça là, pour l'instant, je suis contente. Tout n'est pas rose, tout n'est pas bon. Tout ne peut pas être bon, tout ne peut pas être mauvais non plus. Il ne faut pas se mettre dans une position que tout ce que les autres font, ce n'est pas bon. Non, même si tu n'aimes pas quelqu'un, ça aussi c'est une forme d'injustice. Parce que ce n'est pas toi ou parce que ce que tu n'attends pas, ce n'est pas ce que la personne fait. Mais il faudrait savoir que d'autres personnes attendaient ce qui se passe aujourd'hui. D'autres personnes n'attendaient pas cela et vice versa. Mais Fonike Menge, tu ne représentes pas toi et tes siens et tes similaires. Tu ne représentes pas toute la Guinée. Tu représentes une partie de la Guinée. Je ne dis pas que c'est une petite ou une grande partie, mais c'est une partie de la Guinée. Mon frère, tu ne veux pas passer ta vie à ça. Non. Si toi, tu n'es pas fatigué, certaines personnes vont se fatiguer de toi. Oui. Certaines personnes vont se poser la question, mais le monsieur là, le jeune là, qu'est-ce qu'il veut? Il a un parti politique. Il représente un parti politique. Qui le représente? Aujourd'hui, les gens commencent à se poser des questions. Quand Fonike Menge voyage, il monte, il descend. Kundunu voyage, il monte, il descend. Eux, ils travaillent dans quoi? Ils ont une entreprise, ils occupent quel poste? L'argent, là, ils prennent ça où? Maintenant, au temps de M. Alpha Condé, on ne s'est pas trop intéressé à ça. Oui, parce que beaucoup de personnes étaient fatiguées de lui. Mais il faudrait qu'on comprenne une chose. Toutes les personnes qui ont combattu M. Alpha Condé, aujourd'hui, sont dispersées. Certains sont en train de continuer avec le CNRD. Certains se sont rétractés. Ceux qui étaient encore avec M. Alpha Condé aussi, certains continuent avec le CNRD. Certains parmi ceux-là, s'ils attrapent le colonel Nafeu, ça c'est un autre débat. Ils ne vont jamais l'aimer, lui et toute sa descendance. Parce que ce qu'il leur a fait, ils ne peuvent pas oublier ça. Donc, il faut tenir en compte tous ces facteurs-là. Tout le monde ne peut pas être content de toi. Mais tout le monde ne peut pas être mécontent de quelqu'un non plus. On ne va pas imposer le mécontentement d'une partie de la population à tout le monde. Il n'en est pas question. Ah non, non. Ça ne peut pas se passer comme ça. Beaucoup de monde était aux trousses de M. Alpha Condé. Pour plusieurs raisons. Donc, beaucoup parmi ceux-là sont contents de ce colonel. Beaucoup parmi ceux-là aussi ne sont pas contents de lui. Donc, les gens vont se disperser. Ça ne veut pas dire quoi que ce soit. Ça veut dire que nous avons pris le même avion qui faisait escale. Et quand moi, l'avion fait escale, là où je dois descendre, je ne descends pas. Je ne descends pas parce que je ne peux pas descendre. Si je suis arrivé là où je dois descendre, je vais descendre. Personne ne va m'interdire ça. Parce que c'est moi qui ai acheté mon billet. Même celui qui a acheté ton billet, là, quand il achète ça, c'est écrit. Escale à tel endroit, tel va descendre. Quand on descend, d'autres vont monter. C'est comme ça. Donc, Fonike Menge,
Kundunu et tous vos jars. Asseyez-vous et réfléchissez. Commencez à réfléchir maintenant pour savoir ce que vous voulez dans la vie. Pour savoir ce que vous avez à proposer. Si ce n'est pas les mêmes choses que vous proposez. Moi, je l'ai déjà dit. Si les membres du CNRD, moi, sont en train de me regarder, n'arrêtez personne. Les voleurs de la République, là. Débrouillez-vous, ils n'ont qu'à payer une partie de l'argent. Ils peuvent pas tout payer. Celui qui dit qu'il va tout payer, ça, c'est faux. Si quelqu'un a détourné 200 millions, ou bien, c'est un exemple, il a 5 millions dans son compte, divisé en deux, prenez 2 500 000, vous lui laissez 2 500 000. C'est ça la vérité. Il ne faut pas non plus les ruiner totalement, pour que ça fasse des ennemis inutiles. Mais une partie progressivement, ils ont des entreprises, ils ont des immeubles. Ceux qui sont domaine de l'État et tout ces trucs, moi, le domaine de l'État qui est mal positionné au bord de la route, ça c'est notre débat. Mais un domaine de l'État qui n'est pas au bord de la route, mais qui appartient à l'État, qui est habitable par d'autres citoyens, mais transformer ça en logements sociaux. Il y a des jeunes enseignants, il y a des jeunes infirmiers, des jeunes médecins qui sont très très mal logés. Il y a beaucoup de personnes qui quittent l'intérieur de la Guinée pour venir étudier à Conakry, ils n'ont pas de place dans les universités et autres. Ça peut les servir. Vous pouvez avoir des immeubles que vous pouvez transformer. Hey, vous les ministres là, vous avez tous fait l'Europe, vous avez tous fait l'Occident. Une villa ici, tu peux transformer en plusieurs studios au lieu de tout casser. Qui ne sont pas bien entendus au bord de la route. Ceux qui sont au bord de la route, s'ils ont payé, parce qu'ils ont payé dans la main de quelqu'un qui représente l'État. Ha! Vous devez faire un petit geste. Ça aussi, c'est le hack, c'est comme ça. Donc, Fonike Menge, Kundunu et autres, vraiment, beaucoup de personnes ne vous comprennent pas. Et si on se met à fouiller vous aussi dans vos vies, peut-être qu'il se peut qu'on trouve des choses que vous n'allez pas apprécier, des choses que vous n'allez pas aimer. Parce que moi, je vous ai dit, quand moi je me bats, c'est pour gagner, c'est pas pour accompagner quelqu'un. Quand moi je veux un truc, je veux ce que je veux. Même si tu casses ma tête, la direction que je suis là, c'est là-bas que je suis. Maintenant, quand c'est réglé, je vais peut-être me rendre compte que tu as cassé ma tête, je vais essayer de soigner ça. Donc, je le dis encore, vous ne représentez pas toute la Guinée. Non. Il faut soigner votre vocabulaire là, vos discours là. Il faut commencer à rectifier. Parce que vous n'êtes pas les seuls en Guinée. Non, vous n'allez pas faire un FNDC pour affaire de constitution. L'affaire de constitution là même, c'est passé depuis longtemps. Maintenant, c'est devenu FNDC politique. Ça veut dire quoi? Mais quelqu'un d'autre aussi peut former autre chose qui est contre vos idéaux. Mais bien sûr, parce que tout le monde ne va pas dans le même sens que vous. Non, ça peut pas être possible. Nous n'allons, si le monde allait dans le même sens, tout le monde était dans la même direction, par-ci ou par-là, ou tout comme ça. Mais ce que je suis en train de dire ici, je n'allais pas le dire. Nous serions sur une autre phase aujourd'hui. Mais c'est parce que nous sommes tous différents. C'est parce que nous allons tous dans des sens différents. Et ça aussi, c'est une forme de justice, c'est une forme de liberté. Ça n'a rien à voir avec la démocratie. Il y a des choses que tu as le droit de faire. Mais quelqu'un d'autre aussi a le droit de ne pas faire ce que tu as envie de faire. C'est son droit. La personne a le droit de refuser. Voilà, la personne a le droit de dire, oui, c'est ton droit de le faire. Mais moi aussi, c'est mon droit de ne pas le faire. Tu ne peux pas m'interdire cela. Tu n'as pas cette puissance. Tout ce que tu peux faire, le droit que tu as envie d'exercer là, tu exerces ça. Moi aussi, ton droit que tu as envie d'exercer là, je ne peux pas t'empêcher de l'exercer. Mais je peux ne pas le faire. Ça, c'est mon droit. Donc, il faut que les Guinéens ou certains Guinéens comprennent que ils n'ont pas le monopole de la vérité. Ils n'ont pas le monopole de la justice. Quand nous allons continuer à chercher cette histoire de justice, à creuser à gauche, à droite, par-ci, par-là, nous allons retrouver beaucoup de personnes qui sont en train de penser qu'ils sont victimes. On risque de les retrouver dans la phase ou à la place de coupables. Parce que quand tu vas au tribunal, toute personne qui porte plainte ou qui va, même le coupable se dit qu'il a une porte de sortie. Le policier ou le militaire qui a tiré,
Vous pensez qu'il n'a pas droit aux avocats? Il a droit à des avocats. Ah ben oui. S'il a un avocat qui sait dribbler l'avocat de l'État ou l'avocat de la famille, mais vous allez le voir dehors dans quelques années. Comme ça se passe en France ici, ceux qui sont là le savent. Ceux qui sont un peu partout dans le monde le savent. Tu tues ou tu fais des trucs jusqu'après demain, ils n'ont pas de preuves. Ou ils ont des preuves, mais les preuves là ne sont pas recevables. Ah ouais, les preuves là sont comme ci, sont comme ça. Donc quand tu vas, il faut t'attendre à ça. Il se peut que ça arrive. Je vous ai expliqué mon cas. En France ici, ils ont réussi à vouloir mettre dans ma tête que ma propre mère n'est pas ma mère. En France. J'ai vécu ça en France, pas ailleurs. Donc c'est pourquoi j'ai dit moi, jusqu'à la fin de ma vie, je ne pense pas si je vais porter plainte contre quelqu'un. Non. Mais je peux prier, faire entrer ma plainte. Et comme ça c'est lent, et que c'est long, et que Allah peut mener ton combat, si tu n'as pas la sincérité et la certitude dans la foi, toi tu ne vas pas même pas te rendre compte que c'est ton combat il est en train de mener. Toi tu vas te dire, ah que non, non, non. Toi, c'est pas ça. Il faut que la personne meure. Il faut que la personne soit si. Faut... Non, non, non. Tu vas pas t'imposer à ton créateur que non. Il faut coûte que coûte, coûte que coûte. Faire ça à tel parce qu'il m'a fait ça. Quand tu vas faire entrer ta plainte, lui, il va voir ce que cette personne-là voulait te faire. Si c'est retour à l'envoyeur, bah. Si c'est faire en sorte que la personne te présente des excuses, bah. Si c'est faire en sorte que la personne, quelqu'un d'autre vienne faire la même chose à la personne qui t'a fait ce qu'il t'a fait, ça, il y a plusieurs phases. C'est la même chose. À peu près au tribunal, tu peux aller, tu attends, on attend que ce problème, ce même problème, avec le même juge, avec le même avocat, en France, la même situation a été jugée. Quelqu'un a pris 10 ans, l'autre a pris 3 ans, même problème, même avocat, même tribunal, même ville, même juge. Quelqu'un d'autre, même situation, l'autre prend 3 ans. L'autre va prendre 5 ans. Ça, c'est la justice des hommes. Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Donc, j'entends justice, justice, justice. Je ne sais pas ceux qui parlent de justice. S'ils sont en train de savoir de quoi ils sont en train de parler. Quand nous allons arriver à ce côté-là, les crimes de sang. Aujourd'hui, nous sommes arrivés aux crimes économiques, aux crimes financiers. Vous avez vu, ça fait couler beaucoup d'encre. Il y a beaucoup de choses qui se passent auxquelles on ne s'attendait pas. Quand nous allons arriver à ce côté-là aussi, je ne sais pas quand, c'est Allah seul qui le sait. Rassurez-vous, il y aura beaucoup de surprises. Hein? Ah oui, chacun pourra avoir raison sur l'autre. Mais, ce que toi tu penses de moi, est-ce que tu sais ce que moi je pense de toi? Ce que moi je pense de toi, est-ce que toi, moi je sais ce que toi tu penses de moi? Et vice-versa. Si chacun savait ce que chacun pensait de l'autre et ce que chacun disait sur l'autre dans les coulisses, je pense que même nos familles là, nos familles, aujourd'hui, on n'allait pas parler de famille. Donc, nous allons continuer sur cette histoire de notre sœur qui est en prison depuis quelques temps. Voilà. C'est des sujets en général auxquels je ne m'intéresse pas du tout. Mais, pour plusieurs raisons, ce que je vais dire à cette dame, je pense que avec les petites informations que j'ai, je referai une vidéo spécialement pour cela. Parce qu'il y a deux petits soucis à expliquer. Et ça sera peut-être un peu long. Mais je vais quand même un peu gratter ça aujourd'hui, un peu toucher. J'espère qu'elle va regarder la vidéo ou elle connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui va regarder la vidéo. Madame Diabaté Mam Konaté, je lui dis bonsoir. Si elle me regarde, si elle ne me regarde pas, c'est pas grave. Je reviendrai dessus, Inch'Allah. Cette fille lui a manqué de respect selon les informations que j'ai manqué de respect à son époux, voilà. Et aujourd'hui, la fille, elle est en prison et il paraît que ça fait quelques mois. Ce que je vais lui dire, il faudrait qu'elle sache une chose. La mettre en prison, c'est une solution. La mettre en prison, c'est une forme de justice.
La mettre en prison, c'est un soulagement. Peut-être pas pour elle, pour certainement beaucoup de personnes. Mais aujourd'hui, c'est son nom qu'on dit. C'est son nom qu'on parle, que c'est elle. Si c'est la punition, il paraît que ça fait peut-être un mois et demi ou 2 mois qu'elle est là. En tout cas, ça fait plus d'un mois qu'elle est en prison. Ça, c'est une punition. Peut-être 2 mois, peut-être 3 mois. Tout ça, c'est une punition. Parce qu'il paraît que la dame, que c'est quelqu'un de très gentil. Moi, je ne la connais pas. Qu'elle est très généreuse et très, très gentille. Elle a des enfants. Moi, j'ai peur. Qu'est-ce qui me fait peur aujourd'hui? Ça fait 4 jours que quelques personnes m'appellent par rapport à cette situation. Et que j'y pense vraiment. J'y pense sincèrement. Pourtant, ce n'est pas quelqu'un que je regarde. Celle-là et moi, c'est le ciel et la terre. Je ne sais même pas comment dire, comment nous sommes opposés. Mais nous restons des Guinéens. Et que à Madame Diabaté, Mame Konaté, qu'elle pense au côté que si quelque chose arrivait à cette fille-là, on ne sait jamais, Astaghfirullah en illimité, son nom serait lié à ça. Peut-être elle, ça ne va pas la déranger. Mais je crois qu'elle a des enfants. C'est la Guinée. Aujourd'hui, rien n'est caché. Je suis assise ici, tout ce que j'ai dit là. Quelqu'un est au Japon, il est en train de me regarder. Quelqu'un est en Suisse, il est en train de me regarder. Quelqu'un est dans l'invisible quelque part, il est en train de me regarder. Je ne le connais pas. Donc, tout ce que je peux dire à cette dame-là, je reviendrai dessus. Que de faire à cause d'Allah, à cause de son époux-là et de ses enfants, le côté, parce qu'il paraît que le procureur qui s'en occupe, ce n'est pas Charles White. Bon, c'est là même qu'il y a un problème parce que son nom, on me dit c'est Bordon ou c'est Gordon, je ne sais pas. Donc, je leur ai dit aux intéressés d'aller chercher le vrai nom de la personne pour que la prochaine fois, je mette son nom dedans. Il paraît que c'est au niveau du procureur, Allah seul sait la vérité, que c'est au niveau du procureur que ça coince parce qu'il paraît qu'elle avait manqué de respect à ce procureur-là aussi. Donc, ça veut dire que Madame Diabaté, Mame Konaté, elle a fait ce qu'elle avait à faire, mais d'autres personnes profitent de cette situation pour régler leur compte. Je ne dis pas que c'est bon, je ne dis pas que c'est pas bon. Peu importe. Tout ce que je peux dire à cette dame, qu'elle pardonne, qu'elle laisse cette fille-là avec son créateur. C'est pas. Mirimi était Mirimi. Vous savez, tant que c'est affaire de prison, là, il y a beaucoup de personnes qui sont contentes. Si quelque chose lui arrive, les mêmes personnes qui sont contentes là vont dire que, ah, voilà, nous, ce n'est pas nous qui avons porté plainte. Moi, c'est vrai qu'elle m'avait fait ci, elle m'avait fait ça, mais vraiment, j'avais laissé à Dieu. Celle qui a porté plainte, c'est elle. Les Guinéens, on se connaît. Certaines personnes vont le dire. Si celle-là doit arrêter ce qu'elle fait d'habitude, le moment d'arrêter, elle arrêtera. Ce que je peux dire comme conseil encore à cette dame, je n'ai même pas grand-chose à lui dire parce que ce n'est pas une petite fille. Que partout où on t'insulte dans les vidéos, tu apprends. Moi, peut-être c'est un défaut pour moi. S'il y a quelqu'un qui a la paresse de regarder les vidéos, c'est moi. Et je l'ai déjà dit ici plusieurs fois. Partout où on parle du mal de toi, ou partout où on t'insulte, il ne faut pas regarder. Parce que la personne qui parle du mal de toi est en train de faire passer un message. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Et vous savez, je suis très bizarre. Cette personne en train de faire passer un message à toi ou à d'autres personnes. Si moi, je regarde la vidéo là, son message est peut-être passé. Si je ne regarde pas, toute l'humanité va regarder. Peut-être on va me regarder bizarrement. Ah, c'est la dame là. Comme quoi on dit que je suis joueuse de Cori. Que je suis ci, je suis ça. Moi, je dis, je les laisse avec Allah. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas regardé les vidéos.
Quand je vous dis que quand Dieu mène ton combat, quand tu comprends sa communication, c'est le meilleur des combats. Ceux qui ont fait ça, pour qui ils m'ont insulté, ils sont tous dedans aujourd'hui. Je veux quel combat encore? Je veux quoi? C'est pourquoi je vous dis que le colonel là, il faut que je le pose sur ma tête. Parce que le monnaie qu'il m'a levé là, est que le monnaie bar n'a pas mal. Monnaie sort n'a pas mal, n'a pas qui colo. Nous t'en finir monnaie là. Quand il t'a mal finir monnaie là, vous m'en avez beau le comprendre. Il faut n'a pas finir monnaie là. Quand vous m'en avez finir monnaie là, vous m'en avez beau le comprendre. Ça serait un dialogue de sourds. Donc, Madame Diabaté, Mme Konaté, s'il vous plaît, il faut y réfléchir. Il faut essayer de contacter ce procureur, votre époux, vos enfants, vos proches. Peut-être dans quelques jours, je vais revenir encore. Il se peut que cette personne, quand elle va sortir de prison, les armes qu'il y a dans la prison, les rafales d'injures qu'il y a dedans, qu'elle commence par moi ou par ma mère. Mais tout ce que je peux vous garantir, c'est que je ne regarderai pas. Moi, je vous ai dit, vous pouvez vous renseigner à Fourcaria. Moi, les gens étaient derrière moi. Tu peux voir 25 filles derrière moi. M'insulter. Je refuse de me retourner. On dit toi. Toi, Marie Fatima de Sissoko, ça, toi qu'on dit, ta mère, telle, elle est temps. Je ne me retourne pas. Même si tu ne te retournes pas, ça, toi qu'on dit. Mais ce que j'ai fait à ces filles-là, je ne peux pas dire ça aujourd'hui parce que c'est le passé. Allah m'a changé, je le remercie. Moi, quand tu me fais du mal, aujourd'hui, je te laisse avec ton Créateur. Mais vous voyez aujourd'hui, quand certaines personnes me montrent que, afin de parler de colonel là, c'est ça qui les dérange eux. C'est à cause de ça que eux, ils vont me boycotter. C'est pas compliqué. Mais c'est de ça que je vais parler. Moi, ça, c'est ma façon d'être. Personne ne va changer ça. Fais ton truc. Je peux te donner des conseils. Si je vois que mon conseil te dérange, c'est comme cette dame-là. Ce que je lui dis aujourd'hui, elle va peut-être pas aimer. Si elle n'aime pas ce que je dis, d'avance, je lui présente mes excuses tout de suite. Parce que ce n'est pas mon problème, ça ne me regarde pas. Mais si quelque chose arrive, astaghfirullah, 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 il y a un illimité même. Quelqu'un va dire que, ah, toi aussi, tu étais là. Pourquoi tu n'as pas dit ça? Peut-être que. Surtout que plusieurs personnes m'ont parlé de ça. Et je n'ai pas arrêté de penser à ça. Ça fait 4 jours. Et quand j'en parle à mon mari, c'est quelqu'un qui est très difficile sur les problèmes de Facebook là. Il y a des trucs, dès que tu lui dis, tu n'as pas terminé la phrase. Jamais! Il dit jamais directement. Je dis, mais je n'ai pas terminé ce que je dis. Laisse-moi finir. Mais quand je lui parle de cette fille, les petites informations que j'ai, parce que l'affaire de procureur Gordon, c'est aujourd'hui que j'ai reçu ça. Mais hier, quand je lui en parlais, je lui ai expliqué ce que je savais. Il m'a dit, il faut faire. Et il a vraiment insisté, il dit, il faut vraiment le faire. J'étais surprise. Même aujourd'hui, en faisant la vidéo, je l'ai encore demandé. Il m'a dit, il faut parler de l'affaire là. Il m'a dit ses raisons, que je ne peux pas dire ici, et que je suis d'accord avec ces raisons-là. Donc, Madame Diabaté, il faut y réfléchir. Vous avez le temps de réfléchir, de demander conseil à gauche, à droite. Qu'est-ce que je vais rajouter dessus? Il paraît qu'elle a eu un poste à la douane il n'y a pas longtemps. Voilà, vous êtes en train de progresser dans la société. Vous êtes en train d'avancer dans votre travail, dans votre boulot. Je ne sais pas si c'est un grade qu'on lui a donné ou quoi, si elle est douanière avec, je ne sais pas comment ça se passe, c'est un peu comme l'armée, j'en sais rien. Mais vous avez eu cela, madame. Vous soutenez le CNRD, je crois bien. Et c'est une des erreurs que certaines personnes ont faites sous le régime de Moussa Faki Condé. Il faut arrêter un tel. Il faut arrêter un tel. Il faut arrêter un tel. Les gens qu'on doit arrêter, ceux-là sont là. Quoi qu'il arrive à cette fille-là, astaghfirullah, 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 on va dire que c'était sous le régime d'un tel.
Moi, je n'aime pas les injures. J'aime pas du tout. Mais nous, les Guinéens, voyons Kobi, à nous mettre la sorte aussi, à quel mara. Si on revient sur ça, on va gâcher toute l'affaire. Quand tu veux présenter des excuses, ce n'est pas pour remuer le couteau dans la plaie de la personne, pour que la personne pense encore à ce qu'elle a vécu. Ça va encore aggraver le cas. Non. Mirena Masarama. Alawan. Quand Allah veut changer quelqu'un, il va te changer. La façon dont moi j'insultais. Et là, on va laisser ça. Mais, c'est-à-dire, je vous ai dit à faire de musique. Moi, je me lavais. Il y avait enceinte spécialement pour la salle de bain. Enceinte spéciale dans ma chambre pour la musique. Aujourd'hui, je me pose la question. Mais moi, je me lavais avec la musique là. Pourquoi? Aujourd'hui, je me pose cette question. Mais aujourd'hui, j'écoute la musique. Si on me l'impose. Ou tu regardes des trucs sur YouTube, quelquefois même le Coran, la publicité passe rapidement, tu baisses. Je n'ai jamais imaginé faire ça. Donc, si Allah veut la changer, il la changera. Elle sera un miracle. Moi, je me considère comme un miracle. Mes connaissances me considèrent comme un miracle. Ceux qui ne me connaissent pas, ils s'en fichent. Mais moi aussi, je m'en fous. Ce n'est même pas important, ce n'est pas grave. Donc, madame, s'il vous plaît, nous allons y revenir. Si c'est une punition, je pense qu'elle est punie là. L'État peut trouver beaucoup de solutions. Ce procureur peut trouver beaucoup de solutions. Vous savez, l'État, les États savent faire des restrictions sur les pages. Ils sont très forts dedans. Ils ont des informaticiens pour ça. Et tout. C'est-à-dire, le problème est que quand ils font des restrictions sur les pages, eux savent comment le faire. Mais eux, ils vont regarder les vidéos. Mais dans leur tête, c'est de faire en sorte de ne pas toucher beaucoup de monde. C'est leur technique. Comme je l'ai dit, toucher beaucoup de monde, c'est faire passer l'information. Ça ne veut pas dire que tu vas gagner le combat. Ça ne veut absolument rien dire. Sinon, il y a des Africains qui parlent d'eux. Il y a des Africains qui ont des vues d'eux. Il y a des Africains qui ont été reçus un peu partout d'eux. Ça a réglé quelque chose. Pour l'instant, non. Soit. Ce n'est pas leur destin. Ils sont en train de faire le destin de quelqu'un d'autre. Faire le destin de quelqu'un d'autre, ça veut dire quoi? Toi, tu fais un truc, ce n'est pas toi qui dois le faire. Le moment où la vraie personne vient, il n'est pas trop tard, mais tu as déjà fatigué les autres. Donc, je reviendrai sur ce sujet-là, Inch'Allah, quand j'aurai le nom ou des informations sur ce procureur aussi qui est en train de régler son problème derrière Madame Diabaté. Mais ce n'est pas tout le monde qui est au courant de ça. Et toutes les autres personnes, c'est une question d'âme. Toutes les autres personnes qui ont été victimes d'elle, certainement beaucoup sont contents. Certainement beaucoup se disent, ah, c'est bien fait pour elle, les coffrets. Elle m'avait fait ci, elle m'avait fait ci, elle m'avait fait ça. Mais qu'est-ce qui les a empêchés, eux, de porter leur plainte? C'est derrière cette dame-là qu'ils vont régler leur compte. Peut-être, est-ce que ça va salir ses enfants demain? J'en sais rien. Est-ce qu'elle, ça va la salir? Je ne sais pas. Je ne connais pas son état d'esprit. Mais le Guinée est comme ça. Quand certaines choses se passent, ils vont toujours tous être là à dire que la dame, merci, bravo, c'est comme ci, c'est comme ça. C'est eux qui vont passer derrière pour dire autre chose ou demain dire autre chose. On se connaît, on sait à peu près comment on se comporte. Donc, qu'Allah fasse en sorte que notre sœur là, parce que quoi qu'il en soit, qui qu'elle soit, moi je suis en train de dire ça. Mais c'est quelqu'un que je ne regarde pas. Mais peut-être qu'elle m'a déjà insultée et je ne sais pas. Peut-être qu'elle a déjà insulté ma maman, je ne sais pas. C'est possible. Et après, je vais finir cette vidéo, quelqu'un va me dire, ah, toi tu es en train de parler, tu ne sais pas quel jour elle avait dit si elle avait dit ça. T'as-dit? Moi, je m'assois tout le temps. Je veux comprendre. Les gens qui regardent là où on les insulte, quel est leur état d'esprit? Je ne dis pas dit, tu tombes sur une vidéo par hasard. Ça aussi, ça peut arriver. Ou bien on t'envoie. Je vous ai dit la première fois, celui qui m'a envoyé une vidéo là où on parlait du mal de moi, il était très surpris. Je dis, efface sur ton WhatsApp là-bas. Effacer pour les. Comment ils écrivent ça? Là où on efface là, chez moi et chez toi. Il n'a rien compris. J'ai dit, ah, mais il faut. J'ai dit, non, non, non.
Mon frère, je ne regarde pas là où on parle mal de moi. Ça n'a pas de sens. Et jusqu'aujourd'hui, je... pourquoi regarder ça? Qu'est-ce que tu vas dire sur moi que moi je ne connais pas? Mais si tu dis des choses sur moi que je ne connais pas, ça veut dire que tu es en train de mentir. Et mais je n'ai pas besoin de regarder ça. Et ton message ne passera pas. Toute l'humanité n'a qu'à te regarder. C'est pourquoi tu peux avoir 10 millions de vues. Tu es en train de t'adresser à quelqu'un qui ne regarde pas. Tu es en train de t'adresser à quelqu'un qu'il n'a pas une connaissance qui regarde. Mais tu es en train de parler dans le vide. Les gens dont je suis en train de parler. Foni Kemenge, peut-être son frère va regarder. Peut-être lui-même il va regarder parce qu'il paraît qu'il me connaît. Ou un de ses amis va regarder, va lui dire, Koundounou, pareil. Et Madame Konaté, Diabaté, pareil. Quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui va regarder, peut-être. Monsieur Charles White, pareil. Une âme qui est connectée à eux va regarder. Le message inconsciemment, spirituellement peut passer. Mais dans le cas contraire, je suis en train de parler dans le vide. Voilà. Donc ça sert à rien que toute l'humanité te regarde, à qui tu parles. Le message n'est pas passé. Ça ne veut pas dire que la personne va accepter ce que tu dis ou que la personne ne va pas accepter ce que tu dis. Mais tu aurais rajouté ta part. Peut-être qu'il y a un petit déclic dedans qui peut se dire ah oui, ok, à cause du colonel Mamadi Doumbouya ou à cause du CNRD que je suis en train de soutenir en ce moment, c'est vrai que ce qu'elle dit politiquement, c'est du politiquement correct en cas de quelque chose. Ça peut être lié à la gouvernance du monsieur, même s'il n'a rien à voir dedans. Bien, oui, quelque part, c'est vrai que j'ai déjà fait ma punition. Je laisse le reste dans les mains d'Allah. Si le procureur peut faire quelque chose à distance pour bloquer ces pages ou je ne sais pas, pour faire, je ne sais pas, ils vont se débrouiller, pourquoi pas. Mais elle va rester combien de temps à l'intérieur? Il n'y a pas de bonne prison. Il n'y a pas, même ici, il y a tout le confort qu'on peut imaginer, mais prison, c'est prison. Là, je suis rentrée, j'ai mes choses à faire, j'ai fait. J'ai envie de faire un direct, je l'ai fait. Parce que j'ai quand même, mashallah, ma petite liberté. Mais imagine-toi, c'est ce que je disais quand nos gens étaient en prison, quand les Foni Kemenge et autres étaient en prison. J'ai dit, tu veux prendre ton téléphone là même? Est-ce que c'est comme tu veux? Est-ce que tu as la connexion? Tu as le comment ils appellent ça en Guinée là-bas? J'ai même oublié le crédit pour l'internet. Enfin, j'ai oublié. Est-ce que tu as tout ça comme tu veux? Est-ce que tu vas sortir pour te dire, ah bon, ok, là, je vais aller rapidement là-bas, je vais faire ci, je vais faire ça. Pas forcément, non. Je ne crois pas. C'est pas tout le temps possible. C'est ça la prison. C'est ça le problème. Rapidement, le côté de la vie chère. Je vous dis, dans la ville que moi je suis aujourd'hui, je n'arrive pas à avoir de l'huile. L'huile de colza, je n'en trouve pas. L'huile d'arachide, je n'en trouve pas. L'huile de tournesol, je n'en trouve pas. J'ai été chez Leclerc. J'ai été à Intermarché. J'ai été à Lidl. Ce qui me reste maintenant, c'est Géant Casino. Parce que ça, c'est un peu loin de chez moi. Donc, le week-end, quand j'aurai le temps, Inch'Allah, j'irai voir là-bas. Maintenant, imaginez-vous un pays comme la Guinée. Il n'y a pas d'huile, ce qu'on va dire. Mais en France, il y en a. En tout cas, là où je suis, j'en ai pas. Quand je pose la question que madame, c'est la guerre en Ukraine, je ris seulement. Parce que quand je ne vois pas, je demande aux gens qui sont dans les rayons, ceux qui sont là, vous savez comment ça se passe. Ils me disent, ah madame, il n'y en a plus. Pourquoi l'Ukraine? L'huile. Toutes ces petites crises-là. Moi, je m'assois, je réfléchis, je me dis que c'est en faveur de l'Afrique. C'est-à-dire, ça va pousser, ça doit pousser nous, les Africains, à se passer de ces gens-là. À se dire comment nous devons fabriquer notre huile, comment nous devons fabriquer notre sucre, comment nous devons fabriquer notre lait. Parce que nous avons quand même la matière première quand je prends la Guinée. Si on est de bonne foi, comme je le dis régulièrement. Comment les Occidentaux font leur lait là? On adapte ça pour nous. Leur usine là, ils ont déjà tout. On achète, on amène là-bas. Ça aussi, c'est un problème. Ça doit nous faire réfléchir. Ah, la sanction de la CEDEAO. Pourquoi nous sommes toujours en train de compter sur les aides? Mais avec les sanctions, la sanction, la souffrance, le problème.
qui te sort de ton confort, te pousse à réfléchir. C'est l'un des facteurs de développement des Occidentaux. Ils sont toujours en train de chercher, de se perfectionner. Aujourd'hui, tous les endroits dont je vous parle, que je n'ai pas trouvé ces huiles-là, mais il y a l'huile de l'huile d'olive. Il y a l'huile de pépins de raisin, le pépin de raisin en huile. Il y a ça. Donc, si la crise perdure, ça va les pousser à réfléchir d'une autre manière, de trouver une solution à l'affaire de l'huile d'arachide, à l'huile de colza et ainsi de suite, à l'huile de tournesol et tout. Ils vont s'adapter au problème qui est en train de se passer. Nous, on ne peut pas s'adapter. Parce que nous, on s'adapte à eux, à 1000%. Tout ce que eux ils font là, nous, on s'adapte à ça. Donc, quand ils ont une crise une fois, nous, on a ça 100 000 fois. Mais depuis que le monde est monde, l'Afrique n'a pas eu cette technique-là jusqu'à aujourd'hui. Comme un pays comme la Guinée, parce que les autres pays, ils ont leurs problèmes. Certains n'ont pas beaucoup d'eau, certains n'ont pas de pluie comme nous, mais nous, nous avons tout ça. Autosuffisance alimentaire impossible. Tout ce que nous sommes en train de dire là, élection bas, le président l'est comme ci bas, il est comme ça bas. Quand on aura 3 repas par jour, il faut aller te mettre devant un Guinéen que le président là, il n'est pas bon. Mais nous connaissons que nous avons connu des familles, nous connaissons des familles dans ce pays-là, depuis des générations. Et ils n'ont jamais eu 3 repas par jour. Depuis des générations. Leurs petits-enfants, leurs enfants, ils sont tous nés dans cette condition, dans cette situation. On connaît des familles jusqu'à aujourd'hui, depuis des décennies. Eux, ils n'ont pas de porte sur leur maison. Et voir tout ce qu'on a. Rien que, regardez la pluie qu'il y a eu hier. Regardez l'eau, là où il y avait un peu partout dans Conakry. Regardez les ordures qui se baladent sur l'eau, les ordures qui sont en train de nager. Et ça a toujours été ainsi. Là, c'est grave. Tous les régimes qui se succèdent, quand je prends les ordures, aucun n'a pu terrasser les ordures. J'ai aperçu une photo la fois dernière. Ils sont en train de fournir des efforts que Grampé, je ne sais pas, aide en quoi et quoi là, pour l'insalubrité, tout et tout. Non! Il faut maintenant un autre niveau. Il faut un traitement des ordures à un niveau national, au pourcentage que le pays est. On n'est plus à faire des balais-balais là. Non, ça c'est terminé. C'est pas ce qui va rendre la Guinée propre, qui a été toujours sale. Un jour, j'ai dit à Conakry, dans ma famille, peut-être que la Guinée va disparaître un jour sous les ordures. Conakry va disparaître un jour. Tout est concentré à Conakry. Tout. Mais ça, c'est pas possible. Nous voyons ici, je suis dans une toute petite ville. Tous les commerces que je vous cite là, ils sont un peu partout en France. Vous le savez. Vous allez aller aux États-Unis. C'est les mêmes magasins un peu partout à travers les États-Unis. Vous allez aller en Hollande. Vous allez aller en Belgique. Pareil. Il n'y a que l'Afrique qui n'a toujours pas pu. Et ça, c'est les familles qui tiennent ces choses-là, qui travaillent avec l'État. Nous, ceux qui ont un peu d'argent, si ce n'est pas le foot, c'est les hôtels, c'est les boîtes de nuit. Mais vous avez une population qui ne mange pas. On ne vous demande pas gratuit. On vous demande de travailler avec l'État. L'État doit travailler avec ces gens qui ont un peu d'argent pour combattre certaines choses. C'est un business, ce n'est pas gratuit, ce n'est pas cadeau. Parce que souvent, c'est des gens auxquels que l'État leur donne des marchés. Il y a des gens qui sont enrichis dans ça. Mais tout ce qu'ils savent faire, vous êtes toujours en train de payer pour le foot, mais vous ne gagnez pas. Mais vous n'allez pas gagner, excusez-moi. Hein. Ça, c'est clair, c'est des conneries. Ça, c'est des vraies conneries. Les foot, mais le foot, c'est l'une des plus grosses conneries, vous savez pas ça? C'est un jeu. Comment tu vas jouer? Tu n'as même pas fini ton sérieux. Ceux qui ont fini leur sérieux, et eux, ils vont jouer. Le français peut jouer.
Ça, c'est des gens aujourd'hui, les États-Unis et autres. Ça, c'est des gens qui, ils ont tout, hein. Ils ont tout fait. Et ils se sont battus pour ça. Ça fait combien d'années? Nous, on ne va pas se mettre dans une. Regardez, c'est comme si on est obligé de faire comme eux. Moi, j'ai du mal. On ne peut pas calquer sa vie sur une personne avec laquelle on n'est pas, on n'a pas le même niveau. Mais non, c'est ce que tu entends. Le foot réunit les gens. Mais c'est l'islam qui réunit les gens, puisque c'est une seule langue. Tout le monde prie dans la même langue, à part Nanko. C'est en Guinée que tu vois tout. C'est Nanfo ou c'est Nanko. Nanko ou Nanfo. C'est en Guinée que tu. C'est-à-dire, c'est en Guinée que tu vois tout ce qui est négativement extraordinaire. C'est l'islam qui réunit tout le monde. Mais pourquoi vous ne dites pas ça? C'est le foot qui réunit. Mais le foot, il y a toujours du racisme. Ils sont toujours en train de se bagarrer. Et la Guinée est toujours en train de perdre. Une fois, deux fois, trois fois, vous perdez. Mais l'argent que vous mettez dans ça, mettez dans du riz. Donnez-vous la main, allez chercher le riz et je ne sais pas où. Vous amenez, vous vendez moins cher à la population. Ce n'est pas possible. Vous voulez être réunis, mais au moment de prière, vous allez à la mosquée, vous vous réunissez, vous allez dans les familles, vous décidez d'aller prier dans notre famille aujourd'hui, vous y allez, vous priez. Mais le foot, ça ne marchera pas, hein, je suis désolée. Hein. Vous n'avez pas d'école de foot digne de ce nom, vos footballeurs sont indisciplinés. C'est pas caché, hein. Ça, c'est pas caché. C'est de l'indiscipline à tous les niveaux. Le Guinéen aime se tromper lui-même. Il sait que c'est impossible. Vous voyez le niveau des autres pays? Vous voyez le niveau qu'ils ont? Mais vous pensez que c'est la magie? Non, c'est pas la magie. Quand on vous dit que vos joueurs, ils ont la sorcellerie derrière ou quoi. Mais tous les Guinéens ont la sorcellerie. Je vous ai dit que la réunion mondiale de la sorcellerie, renseignez-vous ça en Guinée, ça vous regarde. La réunion mondiale annuelle. Donc chacun de nous là, se travaille, se promène avec sa part. C'est seulement ta foi qui fait qu'ils ne peuvent pas t'atteindre. La fille qui est en prison là, vous savez par quelle méthode elle est arrivée là-bas? Vous savez ça? C'est Madame Diabaté qui est devant. C'est ce qu'on dit, c'est elle dont on parle. Ceux qui sont derrière, vous savez ça? C'est Allah celui qui sait cela. Mais peut-être la vérité sortira un jour, peut-être que ça ne sortira jamais. Dunia mona kenema. Donc, mes chers frères et sœurs, ça vous fait très très mal ce que moi je vous dis. Mais c'est moi qui peux vous dire ça. Parce que j'ai un demain. C'est mon demain là qui m'inquiète. Ce n'est pas aujourd'hui. Que demain que vous dites, la menteuse là, elle avait dit ça. Quelqu'un qui n'a pas fait le sérieux n'a pas le droit de s'amuser. Non, tu n'as pas de quoi manger. Tu es en train. Regardez le foot. Des gros gaillards. Une vingtaine de personnes en train de courir derrière une balle. Réfléchissez un peu. Est-ce que ça, c'est normal? Une balle. Non, mais. C'est incroyable. Une balle. Ils sont tous en train de courir derrière ça. Et on les paye des millions. On les paye des millions et des millions. Et leur argent, ils achètent les grosses voitures, les femmes, la fête. La plupart du temps, c'est ça. Vous allez prendre 100 personnes ou 1 million, il y a 5 personnes, si ce n'est pas le Sénégalais, là, Mané et qui d'autre encore. Il n'y en a pas beaucoup qui font des choses extraordinaires pour leur pays. Il n'y en a pas. C'est pourquoi la carrière, elle est courte, parce que c'est beaucoup d'argent. Et après la carrière, nous voyons nos footballeurs, comment ils sont après. C'est juste incroyable. Comment quelqu'un peut être comme ça, et puis demain, on ne te voit rien. Ça, c'est une spécialité encore de nous en Guinée. Ça encore, c'est une autre de nos spécialités. Donc, il faut qu'on se concentre sur la vérité, qu'on se mette à notre place. On ne va pas s'adapter aux autres sur un truc qui ne nous convient pas. Moi, je ne vais pas faire quelque chose parce que tel le fait. Non. Moi, je fais ce que je pense être juste. Si je me trompe, je fais marche arrière parce que ma marche arrière n'est pas cassée. Mais je ne veux pas m'adapter à la technique de quelqu'un. Cette personne fait ça, je ne sais pas pourquoi il le fait. Il a ses problèmes ou elle a ses problèmes. J'en sais rien. Je ne peux pas savoir ça. Non, l'Afrique a ses problèmes, la Guinée a ses problèmes. Il y a beaucoup de rendez-vous.
Il y a les rendez-vous des écrivains. Il y a beaucoup de rendez-vous là où le pays peut se faire voir et se montrer des trucs extraordinaires. Oui, on fait beaucoup de choses en Guinée que les autres pays ne font pas. Moi, j'ai vu ça un jour quelque part, des chaussures, les premières chaussures, là où elles ont apparu. La Guinée était citée. Oui. La Guinée était citée là. C'est des chaussures qu'ils font avec, je ne sais pas quoi là. On prend le modèle qui est coupé, le pneu qu'on coupe, mais on peut faire en cuir aussi. Je ne sais pas si vous voyez ce dont je parle. Donc, ils ont cité certains pays et dans ce reportage, ils ont dit que c'était l'un des pays qui pouvait vivre sans l'aide de personne. Parce que c'est un pays qui a tout. Donc, si les échecs se succèdent par rapport aux élites, et ces élites viennent de nous, de vous et de moi, nous devons nous poser des questions. Quand je prends Fally Keneke aujourd'hui, peut-être qu'il a des propositions à faire. Propose ses propositions, qu'il dise ce qu'il a proposé à l'État, au CNRD, qu'il dise ce qu'il a proposé, je ne sais pas, à tel ou à tel ministère, mais il propose quoi? Élection, 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 la date de la transition, la date de la transition, la date de la transition. Comme si tout résumait aux élections. On a voté combien de fois à Guinée? Il y a eu combien d'élections transparentes? Après et avant les élections, qu'est-ce qui se passe? Et vous n'allez pas nous imposer ça. Aïe, c'est pas possible. Inch'Allah, ça ne sera pas possible. Hein? Hey, parlez pour vous. Vous m'avez imposé mon bout en main. Ce que vous êtes en train de dire là, on a déjà vécu ça, on connaît ça. Tous les Guinéens connaissent ça. Et la classe politique là, eux-mêmes, ce n'est même pas un débat. On va les laisser là où ils sont. Chacun déjà a son travail, il n'a qu'à s'occuper de ça. Vous n'allez pas nous imposer ça. Donc, toi, Fally Keneke, avec le titre que tu as, et Kundunu, le titre que vous avez, vous n'avez rien à proposer à cette transition-là. Moi, j'ai déjà proposé combien de choses ici. Ils prennent certains, certains ils ne prennent pas. Mais imaginez-vous si vous avez mon cerveau-là. Et vous, peut-être que vous avez le cerveau plus que moi, mieux que moi. Et vous avez une certaine notoriété. Vous êtes en train de gaspiller ça pour vos bêtises et vos conneries. Vous pensez que l'on va vous suivre? Ceux qui veulent vous suivre n'ont qu'à vous suivre. Ceux qui n'ont pas envie de vous suivre ne vont pas vous suivre. Mes chers frères, ils ne sont pas obligés de. Ah non, non, non. Maintenant, travaillez vos cerveaux comme c'est cristallisé dedans, congelé là. Essayez de décongeler maintenant et proposez au ministère que dans votre ministère là, vous devez faire ça. Moi, j'ai ça comme idée. Maintenant, vous allez voir s'ils ne vont pas le faire. Parce que peut-être eux, ils n'ont pas d'idée. Mais tu l'as dit. Et c'est sur ce genre de choses-là même, vous allez les combattre. Que Abil Dessam, toi, ton ministère là, c'est ça. Ministère des gens qui courent derrière un seul ballon là, qui ne gagne jamais là. Indiscipliné. Tu dis, ah, moi pour la discipline, je propose ça. Parce que c'est vous qui les regardez. Vous allez pleurer tous les jours, Inch'Allah. Si vous voulez, il faut insulter jusqu'à demain. Je ne regarde même pas les commentaires. Alors ça aussi, c'est mon nouveau style. Je ne regarde plus les commentaires. Voilà. Donc, tu proposes tes idées. Tu vas au ministère de l'Habitat. Ah, dis donc, monsieur Gawal, vraiment, cassez-moi de maison là, il faut laisser ça. Moi, à ta place, j'aurais fait si j'aurais fait si j'aurais fait si. Ce que moi, je dis là, même les villas, on peut transformer en petit studio à l'intérieur. Mettre des gens dedans. Oui. Ici, ça, les gens le font ici. Quand on récupère certains endroits, on modifie. Quand tu es dehors, ça fait une maison. Comme la Bretagne même. Quand tu es dehors, ça fait une maison. Une seule maison. Mais quand tu rentres, c'est beaucoup d'appartements qui est là. Vous pouvez proposer beaucoup de choses. Dans vos voyages, là, vous voyez des choses. Vous adaptez ça à la Guinée et vous vous battez pour ça. Ah, vous voyez, on a proposé telle chose à M. Gawal. Il ne veut pas le faire parce que. Ah, tous les ministères, là, vous faites des propositions, 4-5 propositions. Mais vous allez voir que vous serez incontournable. Mais vous proposez quoi? Toujours même chanson, toujours même musique. Mon frère, même si c'est la chanson ou la musique, à un moment donné, si tu n'es pas fatigué d'écouter la même musique, tu seras fatigué de danser la même musique, tu veux la changer. Aujourd'hui, on se pose des questions. Beaucoup de personnes se posent. Mais les gens, là, c'est quoi leur motivation? C'est quoi votre problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Vous n'avez rien à la
la bouche, sauf ça. Vous avez des partis politiques. Vous êtes président de partis politiques. Vous représentez les partis politiques. Hein? Qu'est-ce qui vous dérange? Vous allez passer votre vie à ça? Ah ouais, vous avez du travail. Vous avez du boulot. Et ah ouais, il faut bien aiguiser votre énergie. Il faut commencer la muscule. Parce que vous avez beaucoup de travail. Parce que ce que je vais resignaler là, le colonel Amadi Doumbouya, ha! Ceux qui sont en train de faire passer les fausses nouvelles, que j'avais oublié la partie là, qu'il y a ci, qu'il y a ça, le colonel, c'est-à-dire, quand tu parles aux gens, ils te regardent. Ce sont tes frères et sœurs. La plupart, ils sont en Guinée. Ils payent leur truc là, abonnement ou je ne sais pas, pour téléphone là. Ils payent ça, leur débit là. Voilà, leur passe. Ils payent ça. Ça aussi, c'est le rata. Leur mettre des trucs dans la tête qui ne sont pas vrais. Le colonel est obligé de sortir. Il n'est pas obligé de sortir. Regardez-moi des bêtises comme ça. Je vous ai dit, chaque être humain est différent. Quand tu veux combattre une personne, il faut bien voir à qui tu as affaire. Très, très important. Il y a des gens, c'est la boxe. Il y a d'autres personnes, c'est le karaté. D'autres personnes, c'est le fusil. D'autres personnes, c'est le poignard. D'autres personnes, c'est l'épée. D'autres personnes, c'est les injures. D'autres personnes, c'est la prière. D'autres personnes, voilà, chacun a son... chacun. Mais toi, la façon dont tu te jettais sur l'Alpha Condé, Mamadi Doumbouya avait une vroue, tu te jettes pareil. Ils sont pareils. Ils ont le même gabarit. Ils ont le même mental. Ils ont les mêmes problèmes. Je ne crois pas. Ils ont le même âge. Non. Ils ont le même CV, non plus. Ils ont la même structure de famille, non. Ça, c'est tous les paramètres que tu dois étudier quand tu dois combattre quelqu'un. C'est pas parce que tu as fait ça à quelqu'un. Il y a des gens sur Facebook, quand leur visibilité baisse, mais ils reculent. Ils vont dire forcément là où il y a la visibilité. Mais moi, je m'en fous. Ce que je vais dire, c'est ce que j'ai dit. Mais tu n'as pas envie de regarder. Mais heureusement d'ailleurs, hein. Mais tu ne regardes pas. Mais... c'est le minimum quand tu n'as pas envie de regarder quelque chose, mais ne regarde pas. Mais ça ne veut pas dire que quand tu toi, tu ne vas pas regarder quelqu'un. Toi, tu vas baisser la force de la personne. Moi, quelqu'un peut baisser ma force. C'est toi qui me dis ce que je dois dire. Ah non? Ce que je pense être juste, c'est ce que je dis. Ça marche quelquefois. Mashallah, je remercie Allah. Quelquefois, ça ne marche pas. Mais il y a des gens, quelquefois, il y a des gens, ça ne marche jamais même. Eh bien, ce que je fais, je ne vais pas me conforter dedans. Je vais me conforter dedans. Ce que j'ai dit ici. Il y a des gens qui vont avoir des idées intéressantes. Il y a des gens qui vont me trouver bête. C'est comme ça la vie. Je ne vais pas faire l'unanimité. Jamais. Je ne peux même pas avoir cette prétention. Non. Tout ce que je peux avoir comme prétention, si on appelle ça prétention, il n'y a pas de moyen de pression, moi, sur moi. Non. Ça n'existe pas. Ma famille n'a pas pu le faire. Qui va pouvoir faire ça? Par quelle méthode? Par quelle méthode? Tu vas vraiment par quel moyen? Peut-être sauf si je tombe malade. Ma santé avec toi. Ah bah si tu sais faire tomber les malades, tu as des problèmes, il faut d'abord régler tes problèmes. Ou bien? Ah ouais, c'est ça. Donc, Fonike Menge, tu commences à nous gonfler, tu commences à nous saouler. Voilà. Donc, si tu nous saoules, comme c'est la bagarre, c'est-à-dire, on n'est pas dans le même camp, chacun va sortir ses armes. Oui, chacun sortira ses armes et chacun se battra comme il peut. Nous là, moi, c'est ma bouche. C'est ce que j'ai. Avec zéro vue. Moi, ça seulement, je parle. Je prie, je fais mes invocations. Terminé. C'est tout. Maintenant, avec le temps, on verra. Mais le colonel Mamadi Doumbouya, ceux qui sont en train de me combattre, vous avez du travail, vous. Ah, vous avez beaucoup de travail. Parce que vous savez, c'est quoi le problème? Tout ce qu'ils ont monté ces derniers temps, les gens sont très surpris. On reviendra dessus, Inch'Allah. Ils sont très, très surpris que ce monsieur soit là, soit encore là. Mais tu es sûr de toi, c'est ta force que tu connais. Tu ne connais pas pour l'autre. Ou bien, quand tu combats quelqu'un, il faut d'abord capter son âme. Tous les marabouts, et tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui à ce monsieur-là,
ils sont en train de se poser la question, qu'est-ce qui l'aide? Ils se posent cette question aujourd'hui, ceux qui le combattent. Qu'est-ce qui se passe? Le monsieur là est sûr de quoi? C'est parce que le moment n'est pas arrivé. Quand le moment n'est pas arrivé, tu n'auras pas la solution. Voilà. Un être humain ne peut pas être toujours pareil. Il faut être imprévisible de temps en temps. Donc les Guinéens, c'est-à-dire l'État, c'est-à-dire les élites, c'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir, quand on vous sanctionne, vous travaillez vos méninges, vous travaillez vos cerveaux parce que vous avez des cerveaux. Que, ah, si Mori ne vient pas, je peux manger quoi dans ce pays-là? Mao a fait ça aux Chinois, c'est pourquoi les Chinois mangent n'importe quoi. Il les a fait rentrer en brousse. Allez-y, tout ce qui peut être mangé aux médecins et ceux qui s'occupent de ce genre de choses, amenez. Vous n'avez pas vu les Chinois mangent tout et n'importe quoi. Vous n'avez pas vu souvent ils sont minces. Vous avez vu comment ils sont en général. Et souvent ils ne sont pas bêtes. Donc tu ne vas pas dire que tu vas faire comme les Chinois, non. Mais tu peux te dire que ah, quand eux ils avaient souffert, ils ont fait comme si. Ah, ok, donc nous aussi, on peut adapter ça, le côté là, modifier ci, ci, ça, ça et ça. Non. L'Africain, il faut que tout soit prêt. C'est-à-dire, même si c'est chasse-neige là, ou bien c'est neige de quoi, il va amener ça en Guinée, pourtant il n'y a pas de neige. Oui, toi tu n'as pas de neige, mais il y a souvent des inondations, il y a souvent de l'eau qui se gaspille. Toi, c'est ça ton problème. Comment économiser l'eau là? Transformer en électricité, comment l'économiser pour qu'au courant de toute l'année, pour que les gens puissent avoir de l'électricité avec, avoir, se laver, boire, tout et tout, faire tout avec cette eau-là. Il y a des mangues, combien de variétés de mangues? Combien de variétés? On peut faire la confiture, la compote, la gelée, les crèmes, le savon, l'huile. Eh bon Dieu le bon sang, avec la mangue seulement. Il y a combien de variétés de mangue en Guinée? Combien de variétés? Dis donc, le Guinéen doit s'asseoir maintenant, réfléchir. À part l'État, eux-mêmes, leur réflexion, je ne sais même pas quoi leur dire. Mais nous devons, surtout la diaspo. Nous, on voyage, on voit ces gens-là ici, comment ils sont. Il y a un pays, si c'est la Hollande, je ne sais plus c'est où. Excusez-moi du terme, les extrêmes, le Qatar. Transformer ça en électricité ou en, je me rappelle même, ou en carburant, je sais même plus, un truc comme ça. Les ordures de la Guinée, là, même ça, on peut vendre, recycler et vendre. Ils ont les méthodes, ils ont les moyens. Combien de Guinéens sont à l'étranger? Combien? Combien de Guinéens sont à l'étranger? Donc, nous, notre immigration, là, ça apporte quoi? Envoyer l'argent tous les mois. Mais on a un demain. C'est une chance. Si vous voyez les Marine Le Pen, elles ne sont pas contentes. C'est pourquoi elles ne sont pas contentes. Parce que nous avons de la chance. C'est-à-dire, nous avons pour nous, ici aussi, on a ça. Leur façon de faire, là, quand on fait ça devant toi, tout ce que j'ai dit pour la mangue, là, ils le font avec autre chose. Je suis en train de parler de la mangue. Mais les carottes, il y a l'huile de carotte. Il y a le savon de carotte, même si ce n'est pas éclaircissant. Quand tu mélanges savon et beurre de qualité, ça peut faire quelque chose. Beurre de qualité et carotte, ça peut faire quelque chose. On a le beurre de qualité en Guinée. On ne cultive pas les arachides, on cultive. C'est pourquoi quand je vois que la bauxite là, l'or, le diamant, quoi, ça ne peut pas profiter. Parce qu'il y a des choses plus simples. On refuse de faire. Mais la population même, le Guinéen lambda va tout de suite parler de bauxite. Donc les âmes et les cerveaux jouent sur l'État. C'est ce qu'on réclame. Mais on n'en bénéficie pas. Mais toi-même, tu ne bénéficies pas de quelque chose. Pourquoi tu réclames toujours ça? Hein? Tu dois te dire que, ah, mais il n'y a pas de bauxite
Le Sénégalais n'a pas de bauxite, il n'a pas de pluie, comme ici. Mais comment il fait? Ils ont l'arachide. On peut faire l'arachide et on fait mieux que le Sénégal. On peut faire le riz aussi, plus l'arachide. On a des tomates, on peut faire la tomate aussi. Mais notre tomate là vient d'ailleurs. Donc c'est difficile à expliquer. Tu vas voir un panafricaniste qui va poser tout son bagage sur la tête de la femme. Tu vas venir acheter ton matériel de tout ce que je viens de parler. Le français va dire qu'il ne te vend pas. Il va refuser. Il ne va pas refuser. Mais un Guinéen lambda va se lever ici. Il va tout régler. Il va aller. Celui qu'il va trouver sous son projet là, si c'est 1 million, le ministre qui s'occupe de ça va demander 3 millions. Toi, tout ton projet, c'est 1 million. Mais le ministre demande 3 millions. Tu vas créer des emplois, tu vas aider la population et tu vas payer des impôts, tu vas payer la douane. Il ne pense pas à tout ça. Il va penser aux 3 millions que tu vas lui donner. Tu ne les as même pas. Mais ce ministre-là, c'est un Guinéen. Hein? Oui. C'est le père de quelqu'un, c'est le frère de quelqu'un, c'est le cousin de quelqu'un, c'est le fils de quelqu'un. Qui est en Guinée? Il est né là, il a étudié là, la majorité, ils ont étudié là. Donc, je vous demande de chercher le problème. En tout cas, il y en a un qui est très très gros qu'on ne trouve pas solution, qu'on n'arrive pas à solutionner. Mais je vous l'ai dit, quand tu te trompes de combat, tu ne peux pas gagner. Ah, c'est Moussa Alpha Condé le problème. J'ai dit non. Moussa Alpha Condé nous a trouvé avec nos problèmes. Il a rajouté sa part parce qu'il a trouvé de la place. Mamadi Doumbouya nous en trouve avec nos problèmes. S'il trouve de la place, il rajoutera sa part, il partira. Celui qui viendra à sa place, s'il trouve de la place, il rajoutera sa part, il partira. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Madame Salvagon est partie. Le problème, il persiste. Donc, si tu te battais contre Moussa Alpha Condé, qu'après son départ, tout serait rose, ça veut dire que tu es un faux combattant. Tu t'es trompé de combat. Aujourd'hui, tu vas regretter. C'est ça. Il faut accepter certaines vérités, même si ça fait mal. Vous savez comment moi j'ai découvert ça? Quand on manifesta à Paris contre le feu président Condé, à son âme, on était très jeunes. Avec beaucoup d'étudiants et tout, toutes ethnies confondues, on faisait les manifestations. On partait, je ne sais pas où là, après on partait à l'ambassade, en tout cas à l'époque c'était à la Porte Dauphine, je crois bien. Il n'y avait même pas beaucoup de personnes à ce moment-là, quand on appelait à la manifestation, il n'y avait pas beaucoup de monde. Moi j'étais jeune, c'est ce qu'on a mis dans notre tête. C'est là qu'on a compté le problème, paix à son âme. Donc, comme certaines personnes aujourd'hui, quand il va mourir, le problème va partir avec lui. On a tout fait, il y a eu des manifestations. C'était quand même là où il y a eu beaucoup de morts au pont 8 novembre, là. C'était à l'époque. Après, il est mort un an ou deux après. Je ne me rappelle pas très bien, mais c'était à cette époque. Le monsieur, il est décédé. Hein? Donc, nous, on s'est dit, des gens comme moi, que notre problème était réglé, notre problème était fini. Mais je pense que ça s'est aggravé après. Maintenant, je suis devenue une femme, une jeune dame. C'est là que j'ai commencé à dire manifestation, c'est même pas la peine, quoi. Ça ne donne pas. Donc, ça fait des années que j'ai compris ça. Et ceux qui attendaient la mort de Moussa Alpha Condé, je leur ai dit, mais c'est pas parce que ton adversaire est décédé que le combat est fini. Ça, c'est une faiblesse. Non, la mort, tout le monde peut mourir. Toi-même qui le combats, tu peux mourir. Mais le monsieur, il a ses problèmes aujourd'hui. Mais nous avons toujours à peu près les mêmes problèmes. La question est de se poser pourquoi ces problèmes-là persistent. Mais pour se poser cette question, il faut avoir la bonne voix et la bonne foi et la bonne volonté pour avoir la réponse à ça. Mais si tu n'as pas la bonne foi, tu n'auras pas la réponse. Mais moi, j'ai vécu cela. Le monsieur est décédé. Problème ont persisté. Je me suis dit, le problème guinéen, il y a autre chose. C'est pas ceux qui nous gouvernent, ils ont leur part de responsabilité. Oui.
Ils ont leur part de responsabilité. Ça, c'est clair, une grande responsabilité. Comme nous, le peuple aussi. Vous ne pouvez pas m'expliquer comment nous ne pouvons pas avoir de l'arachide comme le Sénégal. Le Rwanda, ils ont du thé. Vous ne pouvez pas m'expliquer cela. Non. On a des tomates qui pourrissent. Nous avons des mangues qui pourrissent. Nous avons des pommes de terre et des choux et des carottes qui pourrissent. On a tout. Nous ne sommes pas les seuls au monde. Hein. Les autres en ont besoin aussi. Mais nous, on a tout. Mais ils sont mieux que nous. Pourquoi? Pourquoi tu peux avoir tout et celui qui n'a rien ou celui qui n'a pas tout ce que tu as, il est mieux que toi? Il faut commencer à se poser cette question. Pour ceux qui peuvent, hein, pour ceux qui ne peuvent pas, ben, vous ne le faites pas. Vous allez combattre Mamadi Doumbouya aussi. Ça sera sans moi, mais de toute façon, on n'a pas besoin de moi. Hein. Je le sais. Justement, c'est ce qui est important puisque je le sais. Mais lui aussi, il va partir. Peut-être que dans quelques années, Inch'Allah, peut-être que je ne serai pas là, je serai ailleurs. Les vidéos seront là. Quelqu'un va dire, ah, vous savez, la folle là, la menteuse là, oh, la vendue là, l'aigrie là. Voilà, c'est ce qu'elle disait il y a quelques années. Mais bon, on est toujours dans la même situation. Hein. C'est pas normal. Nous n'avons jamais eu d'électricité dans ce pays-là. Jamais. Jamais eu d'électricité. Aucun n'a pu terrasser l'électricité. Nous avons eu cette affaire de Garafiri. Tout le monde a payé. Garafiri, tout le monde a payé. Dans les écoles, tout le monde. Ça fait combien d'années aujourd'hui? Mais nous sommes en train de parler de toujours du même problème. Après 20 ans ou plus, je ne sais pas. 15 ou 20 ans, je ne sais même pas. Nous sommes en train de parler du même problème. Exactement le même problème.